Ah, c'est de nuit, d'accord. Bon, ils dorment par terre, c'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a pas de maison. Mais l'optique n'est pas d'avoir des maisons non plus. Ça sera les maisons sur la côte plus tard. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. À la rigueur, on va creuser tout là sur deux niveaux. On refermera peut-être ici l'eau temporairement, où on mettra peut-être juste de quoi. Si on mettra une digue dans un premier temps, puis ensuite un barrage. Et on va essayer de faire un gros truc ici, bien creusé, pour avoir une grosse réserve d'eau. Et ça va demander un certain temps. Non, dormir à la dure, on va jamais tuer un castor. Par contre, il faut qu'on mette l'eau ici. On va pas avoir le choix. Donc il va nous falloir notre réserve d'eau. Quand on le pourra. Dans ce sens-là. Voilà. Et il va nous falloir un petit réservoir d'eau. Voilà. Parce qu'ils vont avoir besoin d'eau assez rapidement quand même. Donc ça sera la deuxième construction la plus rapide à faire. Et après, de ce côté-ci, on va replanter des arbres, je pense. On mettra quelqu'un pour les planter. Ça sera pas mal. On mettra peut-être aussi de quoi cueillir, de ramasser de l'eau de ce côté-là. Mais on va essayer d'avoir un peu de tout. Ce qu'il fait, lui. Il s'est assis devant le bâtiment, d'accord. Ouais, il n'y a pas besoin de plus. Ok, le stockage est là. On a le stockage. Donc maintenant. Cellule prioritaire. Ensuite, en termes de bois, il nous faudra un forestier. Le forestier demande des planches. Il faudra la scierie qu'on n'a pas. Est-ce qu'on peut avoir le transport des marchandises? C'était quoi le transport des marchandises? C'était ça. Poste de distribution, ça te demande que du bois et site de déchargement. On peut mettre un site de déchargement. Est-ce que quelqu'un se souvient si le site de déchargement demandait... d'accord, on peut faire ça. Et on pourra envoyer des planches si nécessaire pour la construction. Est-ce que là on a des planches? On a 111 planches. Je pense qu'on a quelques planches. Tu vas m'envoyer ici des planches. Et on pourra commencer à faire quelques maisons le long ici. Ça, il faut du rondin. Je vais essayer d'avoir la bouffe, mais ça va être costaud, hein. Ok, donc là on a fini ça. Bon, là ils vivent bien. 1100 de bouffe, ils ont largement de quoi vivre. On peut peut-être... Voilà. Et donc, parce qu'on a envie d'être sympa. Voilà, le grand castor veille sur vous. Des patates. Normalement, j'ai plus besoin d'envoyer du papier parce que j'ai plus de papier ici. Ça, c'est bon.
Ah, ils ont soif. Va peut-être falloir envoyer du monde bientôt, hein. Ils ont faim, ils ont soif. On va bientôt perdre des gens dans le tas, je crois. On va avoir des morts. Ouais, c'est les nouvelles colonies, hein, c'est toujours. Tant que l'envie ne reprend pas quelqu'un de construire un nouveau temple à son nom, ça va aller les planches. Oh, ça va, hein. C'est pas pour les quelques trucs qu'on construit comme ça, l'air de rien. Le problème, c'est que je peux pas leur envoyer de l'eau. Je crois qu'il va y avoir une petite mort de décès sous peu. Ça, c'était peut-être pas le prioritaire en fait. Tant pis. Tant pis. Ça demande 12 rondins. On en a un là. Ah, il y a plein de naissances en plus, c'est parfait. Amène-les à d'autres districts. Ah, on pourrait, ouais. Migrer la population vers district 1, 8 adultes. Et là, migrer vers district 3, 8 adultes. Ah, il y en a un qui est mort de soif. Je crois que la migration n'a pas fonctionné. Bon, là, on n'arrive pas à aller dans les habitations, mais c'est normal, hein. Tant que les choses se fassent. Ah, c'est bon, on a nos trois éoliennes. Ok, donc là, ils vont construire, pas de soucis, ça va prendre un peu de temps. On a 2 et 4%. Enfin, peut-être qu'on envoie quand même quelques baies. On va faire. M'envoyer un peu de pain. Histoire qu'ils mangent, quoi. Bon, il y en a qui meurent de soif. Je sais pas, on va voir. Enfin, je pense que si, mais bon, c'est pas grave. Ils seront enterrés pour les honneurs du grand arbre, ça va. Il y a un moment, faut arrêter. Donc, ah, c'est bon, on peut avoir de l'eau. Donc on a
On a 10 personnes quand même qui vont survivre ici ou qui vont tenter de survivre ici. Ce serait plus exact. Mais non, on est bien, on est bien. Juste mettre ça en priorité derrière. Ça ensuite. Oh, maintenant on va pouvoir boire de l'eau, c'est bien! Combien y a-t-il de castors pour la mère patrie? Ah ben, jamais assez! Jamais assez de castors ne seront sacrifiés pour notre belle et glorieuse patrie! Et les hirondins, je les fabrique! Les rondins, je les fabrique, donc c'est bon pour ça. Bon, il nous manque à finir le forestier. J'aimerais bien. Ah, mais d'accord, oui, parce que je suis en train de fabriquer le réservoir d'eau, ok. D'ailleurs, on va peut-être arrêter d'envoyer des explosifs au district 2. Et toi, tu vas envoyer au district 3 tes explosifs. Et on va commencer l'opération destruction méthodique du territoire. Ok. Fuyez, pauvre fou! Mais où? Ailleurs. Juste ailleurs. Cherchez pas à aller ailleurs. Il y a des choses qui arrivent. Bon, est-ce qu'on va avoir ce réservoir d'eau? Là, on a du pain. Je pense qu'on va pouvoir arrêter l'envoi de pain. Être pas mal là. Ouais, vers là-bas, ouais. Bon, il nous manque un peu de bois. Bâtiment non relié. Oui, je sais. Bâtiment manque de matériaux. On n'a plus assez de rondins. Bah, on va attendre hein, au bout d'un moment. On va arrêter d'envoyer des planches aussi. Ok, on n'envoie plus rien. Et le district 1, maintenant, on va essayer de conserver ce qu'il a. Eh, regardez, ils ont des maisons. Ils vont pas se plaindre non plus. Ça va. Pourquoi il a 10, lui, d'ailleurs? Ah, parce qu'il considère qu'il a, il a tout ce qu'il veut. D'accord. Du joueur. Allez, c'est bon, on va avoir notre petite citerne, donc on va pouvoir avoir de l'eau en constant. Non? Non? Ça vous dérange de la construire?
Si, on a la petite citerne, d'accord. Donc on va pouvoir amener de l'eau. Voilà. Ils ont un peu d'eau, ils ont de quoi boire pendant la sécheresse, si jamais elle vient. Et maintenant, on est en train de construire le forestier pour qu'il puisse nous rajouter des arbres, tout simplement. Bon, lui, il gueule parce que voilà, mais quand on aura planté les baies, il sera content. Enfin, jusqu'à ce qu'elles poussent, quoi. Je vais faire là, quand même le truc ici, histoire que il puisse quand même creuser. Il y a bien une chose de sûre, c'est qu'elle viendra la sécheresse. Oui, ça c'est certain, oui. Après, est-ce que ce sera une grosse sécheresse ou pas, ça c'est autre chose. Voilà, comme ça, il pourra descendre, couper les arbres qui sont là. Tu peux aller jusqu'où? Ok, jusque là-bas. Très bien. Ah, on a notre forestier qui va déjà avoir du boulot. Et qui va planter. Ben, du boulot, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Il a du boulot à planter. Non, promis, je fais pas exprès pour ces jeux de mots. Hein. Promis, je fais pas exprès pour les jeux de mots. Ensuite. Va falloir qu'on fasse casser tout ça là. On va peut-être construire la super digue. Est-ce qu'on la construirait pas comme ça et on vient la bloquer là? Et comme ça fait pas tout ça à creuser. Enfin, ça fait ça à creuser, mais peut-être moins. Mais il va falloir des planches. Par contre, l'écluse. Une écluse triple. Attends, non, juste double. Juste une écluse double. Sécheresse dans 3 jours, d'accord, merci. Vous éloignez les constructeurs, oui, mais je regarde ce que je fais. Voilà. Avoir un petit peu d'explosif à faire. Et on va peut-être faire un deuxième coupeur d'arbres d'ailleurs. Chez moi, c'est naturel. Chez lui, je ne sais pas. Des fois, il réagit bizarrement. Mes jeux de mots font rire les gens normaux. Ah! Oh merde! Bon. Ouais, j'ai l'impression qu'il les plante en suivant un rond, en fait, en suivant un cercle.
Sauf que comme il n'a pas encore atteint ici, mais après, une fois qu'il aura planté ça, il n'aura plus besoin de planter, donc c'est pas mal. Après, on commence à avoir un peu de rondins ou pas? Non. Ouais, il faudrait finir la construction. Là, on va se laisser un peu de rondins. On leur fera pas forcément un rooftop, mais on leur fera au moins un feu de camp, histoire qu'ils s'amusent un petit peu. De toute façon, autant utiliser cet espace-là qui n'est pas. Comment dire? Qui n'est pas irrigué. Donc le truc sera de creuser un gros réservoir ici. Comment on va le creuser ce réservoir? On va faire comme ça. Alors attendez, excusez-moi. Alors, là, il y a un imprévu qui vient d'arriver, rien de bien méchant, rassurez-vous. Cependant, je vais devoir arrêter le live, et donc arrêter les épisodes et tout. Ça fait 3 heures quand même, un épisode, c'est déjà pas mal. On reprendra un petit peu plus tard, alors pas forcément sur Timberborn, je verrai. Soit on reprend sur Timberborn, soit on reprend sur Crusader Kings 3. Donc on se retrouve... Je pense vers 19h30, 20h pour la soirée tranquillement. Et comme ça, il n'y aura pas de soucis. Si vraiment je ne peux pas ce soir pour raison X ou Y, que je vous tiendrai informé sur le Discord. Voilà, donc sur ce, je suis désolé, c'est un peu abrupt, mais on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous en tout cas pour avoir participé et à plus tard pour...